Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Alors j'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien. Donc si vous avez suivi un petit peu la zone jeux de société et spécifiquement la zone du dimanche, qui est l'émission que Stéphane et moi faisons en direct à tous les dimanches depuis quelques temps, bien on a annoncé que nous allions faire un petit peu moins de déballage, parce que les déballages, surtout que disons Stéphane et moi, des fois on est un peu en retard dans la présentation de nos jeux, des fois les déballages, ça prend quand même un certain temps filmer tout ça, puis mettre ça en ligne, et puis des fois j'aime mieux, je pense, faire des sessions de jeu que des déballages. Mais une fois de temps en temps, j'ai comme envie de vous présenter le matériel de certains jeux. Et là, c'est le cas ici pour celui-ci de Stygian Society, qui est un jeu de Kevin Wilson. C'est un jeu qui m'intrigue et en même temps qui ne m'intriguait pas du tout. Premièrement, c'est une très grosse boîte. Et c'est une boîte dans laquelle il y a une grosse tour. Et un de nos abonnés les plus fidèles, donc Patrick Richardin, qui n'arrête pas de me vanter les mérites de ce jeu-là. Mais je dois vous avouer que, puis encore aujourd'hui, là, je regarde ça ici, là, je regarde ce que je vois. Ça m'intrigue tout en ne m'excitant pas tant que ça. Bon, fait que, bref, j'ai laissé de côté un petit peu ce jeu-là. Puis c'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs. Donc, on a la possibilité de pouvoir y jouer en solo. Et évidemment, j'ai regardé la critique de mon ami LP de la chaîne du Professeur Board Game. Et il l'a beaucoup encensé. Alors, je me suis dit, allons-y. J'ai demandé à mon commanditaire, le Valet de Cœur, de me fournir une copie de ce jeu. Donc, je les remercie beaucoup de cette possibilité. Puis LP a dit qu'il fallait absolument également donc se procurer les deux extensions. Donc j'ai The Stygian Society, The Cursed Library, qui est faite par un designer que j'aime beaucoup, qui est Scott Holmes. Et on a ici donc The Tower Laboratory, qui est faite par Philippe Dubarry. Alors, on va regarder ensemble la qualité de ce matériel-là. Est-ce que la tour, elle est vraiment bien faite? Parce que c'est la version retail que j'ai. Donc, c'est la version magasin. Ce n'est pas la version Kickstarter. J'enlève toutes ces pellicules de plastique et on va regarder ensuite ce qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes. OK, fait que je suis vraiment intrigué parce que c'est vraiment une très, très grosse boîte. OK, et comme d'habitude, hein, ces magnifiques et grosses boîtes-là vont me prendre beaucoup, beaucoup de place dans mes bibliothèques. J'ai encore un peu de place pour mettre mes jeux, mais bon, mais voilà. Alors ici, on a Ellen Cunningham de Stygian Society. Alors c'est quoi? C'est-tu un petit livret? Oh, il semble avoir une petite histoire. OK, c'est intéressant. Oh mon Dieu. Ici, on a le numéro 3 et le numéro 6. Très bizarre. Très bizarre. Collant. Alors, c'était collant qu'on va peut-être mettre quelque part. Ou est-ce que ça avait rapport avec l'histoire? Ça, c'est quelque chose d'intriguant. On verra bien à ce niveau-là. Alors, on a ici le rulebook, donc le livret d'instruction avec la fameuse tour. Puis, bon, je comprends un peu le principe du jeu. Donc, le but, c'est de pouvoir grimper sur la tour, atteindre différents niveaux. On va lancer des cubes dans la tour et dépendamment où ils vont tomber sur le terrain, c'est là qu'il va y avoir des effets qui vont se passer. C'est un concept que je trouvais quand même, je dois vous avouer que je trouvais intéressant quand même. Puis, ce que je peux voir pour l'instant, c'est pas quelque chose qui semble très compliqué, très complexe parce que il n'y a pas tant de pages que ça, donc c'est un petit livret de 12 pages environ. OK, donc on verra ça. Ah là là. Je pensais qu'il arrivait déjà fait. Oh non. Faut pas que je monte ça. Oh, je suis très mauvais pour monter ces affaires-là en plus. Bon, en tout cas, on va voir. Il va falloir que je fasse ça. Alors, on a ici le fameux. C'est un très petit plateau en carton. Et là, c'est là que, dans le fond, je pense qu'on va mettre la tour ici, là. Non, c'est pas la tour. Ça, ici, c'est là qu'il va avoir, finalement, les informations concernant... pas les informations, mais on va mettre une clôture autour de la crypte. Puis c'est ici que va aller la tour. OK, fait que... Bon, voilà pour ça. Ensuite, c'est quand même solide, là, ce que je peux voir. Donc ça, c'est... Là-dessus qu'on va mettre donc les trésors, les coffres. Ça, c'est les actions génériques parce qu'on va pouvoir faire des actions et ça va être en fonction des cubes de couleurs. Donc, on va pouvoir
Donc si on fait cette action-là, on va lancer 4 cubes noirs, puis bon, etc., etc., on va avoir de la chance, de l'expérience, les dégâts, des perils ici. Quand même un plateau qui est assez solide, intéressant. Bon, et là on a... Eh boy, c'est ça la tour, mon Dieu, Seigneur. C'est du plastique très mince, très très mince. Je me serais attendu à quelque chose qui avait l'air d'un petit peu plus solide que ça. Donc, je pense qu'il va falloir que je monte ça avec des très petits... Je suis très déçu là, de ce que je vois. C'est sûr que c'est pas un jeu qui est très dispendieux, ben quand même. Je pense qu'on va pouvoir mettre la tour déjà montée à l'intérieur. Et là, il me manque un morceau que je vois pas nulle part. Bon, j'espère. Alors, on a ici... On semble avoir donc des très petites figurines, mais là je retrouve toujours pas le morceau qui me manque. Et j'espère que je vais être en mesure de le retrouver. Donc on a... Bon, ça doit être ce qu'on a besoin pour faire la fameuse tour justement. Donc on en a quelques-uns pour bien la monter. On a ici les petites clôtures, ou c'est des... C'est des échelles peut-être? C'est peut-être des échelles? Ah non, je pense que c'est les clôtures. Les clôtures parce qu'ils vont aller avec ça ici. Alors on a des petites figurines, font beaucoup penser aux figurines qu'on trouve dans Defenders of the Realm. Donc c'est pas la meilleure qualité, mais c'est pas. Ça va bien, ça passe bien. C'est quand même pas si mal, mais tu sais, c'est sûr que on est habitué maintenant à beaucoup mieux au niveau des figurines, mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir ces figurines-là. Probablement que de ne pas en avoir du tout. Et puis on a les différents cubes qu'on va utiliser dans la partie. Ce sont des cubes qui sont translucides. Donc c'est intéressant, sauf que les cubes translucides, des fois on a de la difficulté à reconnaître, par exemple, les cubes noirs, des... Bon, les cubes blancs, ça va, là, mais bon, il n'y a pas énormément de cubes, mais ils sont pas faits en bois. Ça veut dire, au début, je pensais que ça allait être des cubes faits en bois. Mais c'est définitivement des petits cubes en plastique. Intéressant, ils ont quand même une bonne lourdeur, donc le fait de les lancer dans la tour, ça semble être, ça sera sûrement très intéressant. Ensuite, on a d'autres. On s'entend que c'est pas le plus grand insert sur la planète. Donc on a ici, alors, il y a quand même pas pire de matériel. Hein? Donc on a les fameux petits cœurs que je vous ai présentés pour tenir les points de vie. Je pense aussi des méchants. Parce que les méchants vont avoir des points de vie. D'autres marqueurs qu'on va mettre sur le petit plateau que je vous ai présenté tantôt. Et là, après ça, ben, on a quand même pas pire de cartes. Alors, il y a quand même bonne quantité de cartes, comme vous pouvez voir. Ensuite, on a des petits sacs, toujours très appréciés. Merci beaucoup pour les petits sacs. Alors ça, je pense que ça représente les différents héros qu'on va pouvoir avoir dans le jeu. Je suis pas un très grand fan de l'aspect artistique, là. Ça fait très cartoon Disney, je trouve. Alors, le Field Medic, on peut être du côté homme ou du côté femme, mais ça fait vraiment très cartoon Disney, hein, on dirait. Alors, vous avez le Spell Sling, gars, fille, donc ils viennent tout avec leurs habiletés. Ensuite, on a The Knight. OK. Et ensuite, on a The Burglar. Encore une fois, pendant garçon, pendant fille. Alors, quatre personnages qui viennent dans le jeu de base. Ensuite, on a, je pense que ça, c'est ce qui va représenter les différentes pièces dans le jeu. Parce qu'à chaque fois qu'on va jouer, OK, on voit ici des Room Card Upper. Ensuite, on a des Room Card Lower. Alors, c'est différents types de pièces qui vont venir avec leurs ennemis et leurs différents périls. Donc, chaque pièce va être différente, comme vous pouvez voir. Le parloir, on a le Dancing Bone, le Commander of the Troops. Puis ça équivaut à tous les ennemis. Puis je pense que ça va former des lignes comme ça pour ce qui est des ennemis. Alors, voilà. Il y en a quand même une bonne quantité. Ça, c'est très, très apprécié. Puis ce que j'ai compris, c'est que les extensions vont apporter un style différent. Comme là, c'est plus fantaisiste, mais les extensions vont apporter d'autres façons de jouer. Et là, vous avez, je pense, les gros méchants. Et oui, définitivement, là, c'est un style artistique à la Disney, là. On s'entend. Donc ça, c'est les gros méchants qu'on va combattre
Donc Jarod, on a Sarafina. Écoute, c'est pas si pire artistiquement parlant. OK, puis c'est drôle comment ça, c'est super gros au niveau du carton, là. C'est très solide, c'est impressionnant, mais pas la tour. Pas la tour. C'est, je sais pas, il me semble que j'aurais fait le contraire. OK, au moins j'ai retrouvé le morceau qui me manquait. Bon, fait que je vais essayer d'assembler tout ça, mesdames et messieurs, dans un temps record. Et ensuite, je vous présenterai le résultat final. OK, j'ai réussi, mesdames et messieurs, j'ai réussi donc à faire cette tour-là. Et je suis quand même très... ça n'a pas été si difficile que ça, honnêtement. Puis c'est... bon, je continue de dire que la tour, elle semble pas être d'une qualité exceptionnelle, mais je vais quand même l'accepter. Fait que voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il y a au niveau du matériel. Fait que ce que j'ai compris un petit peu, c'est qu'à chaque fois qu'on va donc monter sur une pièce, on va commencer ici, puis après ça, notre personnage va pouvoir monter au deuxième étage qui est là. Puis le personnage que j'aurais probablement pas fait brun, OK, parce qu'ils l'ont... ils l'ont vraiment fait brun. Et c'est une belle... en passant, ça représente notre groupe d'aventuriers au complet. Mais le troisième étage est là. Après ça, on va essayer de monter au quatrième, monter au cinquième pour finalement atteindre le sixième étage sur le dessus complètement. Puis à chaque fois, on va piger une pièce différente et on va affronter les méchants qui sont là. Et les méchants qui sont représentés, je pense, par ces cartes-là. Et chacune des cartes va nous amener... donc, des groupes différents. Comme on voit, celui-là, il va lancer 5 cubes noirs, 4 cubes noirs, puis eux autres, ils vont évidemment y aller avec des cubes rouges. On a les jaunes, ils ont chacun leur point de vie différent. Puis là, ben, on va utiliser... Là, je vais le faire pour la première fois. Donc, on va utiliser... mettons que j'ai ces cubes-là à lancer. Là, évidemment, c'était très aléatoire. Alors, je vais prendre les cubes. Et là... je vais les lancer ici et voilà où ils sont tombés. Alors, et dépendamment de s'ils tombent là ou s'ils tombent là, puis il y en a qui devraient peut-être même rester à l'intérieur, ce qui semble pas être le cas pour l'instant. Mettons que j'en lance d'autres. Hein, regardons donc. Mon Dieu, ils ont toutes l'air de tomber. Ah non, il y en a encore, il y en a qui sont dedans. Il y en a qui sont dedans, puis ben, il y en a qui sont supposés de tomber là-dedans. Ça peut-tu arriver? Ah ben oui, regardez, il y en a un qui est fini par tomber là-dedans. Fait qu'en tout cas, dépendamment où les cubes vont donc tomber, ben là, il y a des habiletés, il y a des choses qui vont se passer. Et également, s'il y en a qui vont tomber ici. Fait que je suis encore intrigué. Mettons, là, j'en ai trois ici. Ah, voyez-vous, ça arrive que ça peut tomber à l'intérieur. Donc, c'est intéressant, c'est vraiment un jeu de cubes. Puis on lance et dépendamment où les cubes vont tomber, bien, il va se passer différentes choses. On a des cartes de trésors ici. OK, on a les cartes de trésors qui sont des pièces d'en haut et les pièces qui sont plus en bas. OK, alors on peut regarder, on peut avoir plein de choses comme ça. Cloaking, Aura Lens, on peut avoir des Accuracy Lens, des Strength Prism, des Accuracy Prism. On a plein de trésors qu'on peut se trouver. Il y a également c'est un petit peu plus plat parce qu'il n'y a pas de... donc ça, c'est des trésors. Alors, the party suffers 9 wounds and the treasure that was in the chest is destroyed. Bon, super. Alors, je ne sais pas exactement, mais c'est des éléments qui peuvent... there are 2 extra treasure in this chest. Excellent. Donc, j'imagine que faut ouvrir les coffres et ensuite de ça, on va découvrir les fameux trésors à l'intérieur. On a également des cartes de statues. Probablement qu'ils vont, certains ennemis vont peut-être nous mettre curse. Et je pense qu'il faut, on a là-dessus ce que ça nous prend en cube pour pouvoir se défaire de ça. On a incapacitated. On a stricken. Je ne vois aucune aptitude. Oh mon Dieu. Je me fais attaquer de tout bord, de tout côté par Siri aujourd'hui. On a weekend qui est là. On a plein de, donc de cartes de statut. Et finalement, on a ici des... petites cartes qui sont pour chacun de nos personnages. Donc, on va pouvoir monter de niveau et on va avoir des habiletés spéciales qu'on va pouvoir pour pouvoir améliorer nos personnages. Il y a vraiment beaucoup de cartes, par contre, pour chacun des personnages.
Alors ça me semble quand même intéressant. Ils sont d'ailleurs recto verso. Est-ce que c'est en haut? C'est encore pour côté gars, côté fille. Alors voilà pour ça, très intéressant. Alors c'est quand même cool. Là maintenant, il nous reste, bien, en plus au niveau des cartes, c'est pas mal ça, je vous dirais. Puis là, on va regarder maintenant ce qu'il y a à l'intérieur des deux extensions. Ok, donc j'ai fait un petit peu de place pour qu'on puisse voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur donc de Stygian Society, The Curse Library. Alors comme pour l'autre, Hélène Cunningham qui semble nous donner une petite historique derrière cette extension-là. Ensuite, on a une petite, encore une fois, un petit livret d'instructions. Comme je vous ai dit, ce qui est très intéressant de ces extensions-là, c'est vraiment le fait qu'il y ait que ce soit vraiment des mécanismes qui vont être différents, qui vont fonctionner de façon différente, comme dans celui-là de Curse Library. Si ma mémoire est bonne, ce sont des différents personnages de la littérature qui vont nous attaquer. Et donc, c'est complètement différent au niveau du mécanisme. Alors, on voit ici que on a Character Eloi, on a Murloc, The French Guard, Laurent Houtan, qui est Edgar Allan Poe, voyez-vous, Jules Verne, ensuite on a Burroughs, Jonathan Swift, Haggard, Mark Twain, Victor Hugo, Les Misérables, le soldat français, on a The Jungle Book, on a Peter Pan, donc c'est tout ce qui est libre de droit, là, donc The Three Musketeers, on voit qu'il y en a quand même vraiment là, beaucoup, puis ce que j'ai compris, c'est que même de l'autre côté, ça semble être des aventures de Sherlock Holmes. Alors, c'est vraiment là, quelque chose qui est vraiment différent au niveau du fonctionnement. C'est-à-dire, les mécanismes du jeu restent le même, mais là, on a changé certains aspects. Et on voit qu'on a ici un nouveau mécanisme qui fonctionne avec ces petites gouttes de... En tout cas, c'est noir, je ne peux pas vous dire exactement. Alors, on a des personnages différents. Ok, on a quatre autres personnages. Alors, on a Mary Shelley, ok, on a Jane Austen, H.G. Wells et Sir Arthur Conan Doyle qui vont essayer de remettre de l'ordre dans cette fameuse bibliothèque. C'est comme si la tour représentait quelque chose de différent. Et là, on a, je pense, des... Oh, c'est vraiment cool comme concept quand même, je dois vous avouer, là. Donc, on a ici toutes les... Tout tombe, hein? Moi je réussis toujours, hein? Je vous le dis tout le temps, je réussis à toujours tout faire tomber, c'est ça qui est important, mesdames et messieurs, c'est ça qui est très important. Alors ça, ce sont les lower card rooms, donc là je ne sais pas si on les ajoute ou si c'est vraiment les seuls qu'on a de disponibles. Dans la partie, il va falloir évidemment que je regarde, mais on a ici les upper card room, puis on a ici les lower, puis ça fonctionne encore un petit peu comme l'autre. Il y en a beaucoup moins évidemment que dans la boîte de base. Et ensuite, je ne sais pas jusqu'à quel point ce sont les fameux méchants. Ok, donc on a... c'est vrai que dans ce jeu-là, il y a un mid-boss, puis il y a un boss de la fin. Alors c'est important de voir la différence. Alors les Martiens, l'Invisible Man, The Red Death, ensuite The Phantom, et on va se battre contre Dracula, nul autre, Dr. Frankenstein, le professeur Moriarty, et Captain Nemo, nul autre que notre fameux capitaine que l'on a qui a son propre jeu. Alors on a même le personnage ici qui nous représente, qui est différent. Ça, c'est vraiment cool, mais on va utiliser, je pense, les mêmes pour ce qui est des monstres, les mêmes choses, là, les mêmes petites figurines. Alors voilà, c'est la figurine qui va représenter notre groupe d'aventuriers qui vont tenter de passer au travers. Et ensuite, on a encore une fois quand même une bonne série de cartes. Une très bonne série de cartes, je vous dirais. Alors, je vais vous présenter ça immédiatement. Donc on a encore ici la même chose, des cartes de statut qui vont probablement être différentes. Alors, puis on a les cartes qui représentent les personnages. Donc le reste, ce sont toutes les cartes donc des personnages.
Donc Van Helsing, on a Mina Marker. Alors Projectile Attack, Choose an Enemy in Either Rank, drop 4 verres. Pour 3 verres, ça me donne 5 points de dégâts. Très intéressant. Très très cool. Je dois avouer qu'en termes d'extension, c'est très très cool. Je dirais même que c'est quasiment plus cool que la boîte de base. Juste pour vous dire à quel point je suis ébloui par cette extension-là. Fait que voilà, fait que ça c'était la première extension. Maintenant, on va regarder la deuxième. Alors la deuxième, c'est The Tower, donc la tour laboratoire. On voit que c'est encore une fois, c'est un autre type. Toujours qui vient avec son petit livret d'histoire. Ça vient avec... Oh, lui, celui-là, il est vraiment beaucoup plus simple. En fait c'est juste ça. Alors, c'est pas plus dur que ça. Ça rajoute, comme on peut voir, d'autres petits cubes. On a encore notre petit personnage qui est un peu différent. Et on a ici, donc, de mécanique. On a de chimiste. Donc, le chimiste. Ensuite, on a de Spark. Et on a de Psychic. Alors, ce sont 4 autres personnages qu'on a. Et on a un petit... On va avoir un petit peu moins de stock dans celui-là, par contre. Mais moi, je dirais beaucoup moins de stock. Alors, on a les Lower Room Cards qui sont là. Et ensuite, on a... Donc, des Upper, c'est la même chose. Mais on a... Donc là, la seule chose que je me demande, c'est est-ce qu'on utilise vraiment juste ces cartes-là où on les mélange avec les cartes de l'extension? Ça, c'est une bonne question qu'il va falloir qu'évidemment que je regarde, mais quand je ferai la session de jeu, je pourrai revenir là-dessus. Mais écoutez, c'est un déballage qui m'intrigue. Hein? Donc on voit ici ça c'est les 2 mid-boss, puis ça je pense c'est les boss finales. Alors on a le Mecha Beast, on a le Juggernaut, ensuite comme gros méchant on a Ludwig, le gros méchant. Et ensuite, on a Millinus. Et encore une fois, une bonne petite... une bonne série. Encore une série de cartes. Puis là, c'est drôle, on les a mis en deux paquets pour celui-là. Puis, est-ce que je vais être capable de vous les ouvrir aussi facilement que l'autre? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel quand même avec les deux extensions. Là. Donc, on voit encore une fois, c'est des cartes... de personnages, il y en a encore vraiment beaucoup. Alors je rappelle que ces cartes-là, on va monter de niveau. Vous voyez, je pense que je suis pas sûr si ça c'est justement ces niveaux, on va avoir des choix dans les cartes. Donc niveau 1, je pense niveau 2 pour lui. Ensuite on a le niveau 3, donc c'est ça, on peut monter 3 niveaux. Puis ça nous permet de faire des parties qui vont être très différentes. Et ensuite de ça, je vais avoir la dernière... les dernières cartes à vous présenter, mais évidemment ceux-là, je ne serais pas capable de les ouvrir facilement. Ah oui, quand même. J'ai un certain succès. Alors voilà, ça semble être des Monster Cards, Clockwork Robots, le Clockwork Snakes, on voit ça, c'est les différents types de méchants qu'on va affronter. Et ensuite on a... Ici, encore une fois, là, on semble avoir... Ben, ça, c'est des cartes qui vont avec les personnages de tantôt, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, c'est la fin de ceux-là. Et on a effectivement des cartes de trésor dans celui-là, encore une fois. Mais pas beaucoup, par contre. C'est pour ça que je me demande, est-ce qu'on mélange tout ça avec le jeu de base? Il va falloir que je me renseigne là-dessus. Donc là, la dernière chose qui me reste à voir, c'est est-ce que tout ça, là, parce que là, je ne vous montre pas tout, là, mais... J'en ai du stock présentement sur la table. C'est assez impressionnant. Est-ce que tout ça rentre dans la boîte qu'ils nous ont donnée facilement? Je regarde ça. OK, donc est-ce que j'ai réussi à rentrer et la tour et toutes les extensions avec la boîte de base dans cette grosse base, cette grosse boîte-là de justement du jeu de base? Alors, on va regarder ça ensemble. Mais la réponse à tout ça, mesdames et messieurs, c'est... Ben oui, j'ai réussi à rentrer tout ça. Alors regardez quand même, ils ont réfléchi. Fait que la tour rentre vraiment complètement dans la boîte. Il y a même des petits trous ici pour les côtés qui dépassent un peu. Fait que ça a été réfléchi. Même si c'est un petit peu cheap, ça reste quand même bien. Et tout le reste, les cartes, les petits cubes, les jetons, tous les monstres,
tout rentre, ce qui fait quand même une boîte qui est assez lourde et assez bien remplie. Alors, s'il faut qu'ils rajoutent des extensions pour The Stegan Society, je vous dirais que probablement que là, ça aurait de la difficulté à rentrer, mais pour l'instant, de ce que je peux voir, tout semble bien aller. Écoutez, c'est un déballage qui a un effet très positif pour le jeu. Ce jeu-là qui me disait absolument rien. J'ai même, à un moment donné, j'étais allé dans un magasin avec Hélène, puis je l'avais dans mes mains, puis je regardais, puis j'étais comme, ça ne dit rien, mais finalement, en le déballant, en regardant le contenu, en regardant surtout les deux extensions, je vous dirais, celle qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci de Curse Library. Quelle bonne idée! Très intéressante, très intrigante. Je vous dirais que ça l'a augmenté. Le fait d'avoir déballé ce jeu-là vient d'augmenter mon excitation d'y jouer. Alors, pour ce qui est du matériel, écoutez, c'est un matériel qui est correct. Je n'ai pas parlé des cartes, mais les cartes sont quand même de qualité correcte, sans plus. Ils sont peut-être un petit peu minces. Mais la tour, je la trouve pas super. Ça aurait dû être un petit peu plus grandiose que ça. Fait que je vais lui mettre quand même, je vous dirais, un B- pour ce qui est de la qualité du matériel. J'étais un peu dur, mais je m'attendais, c'est surtout la tour. Je m'attendais à avoir une tour plus grandiose que ça. Mais ça va. Le reste du matériel, ça va bien. Je suis pas fan non plus de ces fameux cubes translucides qui font ça qu'on a de la difficulté des fois à voir les couleurs. Je pense que j'aurais aimé mieux avoir des cubes en bois, mais bon, c'est comme ça. Pour ce qui est du niveau artistique, correct. J'aime pas trop la boîte, je vous dirais. Mais on dirait que, parce que regardez, ces bonhommes-là ont l'air d'être des bonhommes. On dirait que la personne ne s'est pas trop dessinée, mais à l'intérieur, ça fait très cartoon Disney. C'est correct, je finis par apprécier. Je vais lui mettre un B. Et pour ce qui est de mon excitation, je vous dirais qu'il est remonté d'un beau C à... Je vous dirais un B+. OK, je vous dirais un B+. Je ne sais pas si je vais le mettre en priorité dans mes sessions de jeu que je vais vous présenter sur la chaîne, mais il reste que j'ai quand même beaucoup plus hâte de l'essayer qu'avant que je le déballe. Fait que voyez-vous, c'est à ça que ça sert des fois de faire des déballages. Bon, ben je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce déballage-là avec moi. Alors, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire, le Valet de cœur, au www.levalet.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt.